Eh bien, salut tout le monde, nous revoilà donc sur du Oblivion. Enfin, depuis presque un mois et demi, voire 2 mois, je sais plus depuis combien de temps. Et donc, j'ai décidé de le refaire parce que je sais très bien que vous. C'est certainement le let's play que vous me demandez le plus. Encore plus qu'Amnesia et Stratis, même si le dernier épisode n'est pas encore là. Alors, je sais que ça va finir par devenir une légende urbaine à force. Donc voilà, nous on retrouve à nouveau notre Kongar national avec sa dégaine légendaire. Notre impérial dollar donc. Qui était dans l'arène donc la dernière fois. Et donc voilà. Mais je pense qu'on va arrêter un peu l'arène pour l'instant et se reconsacrer à la quête principale. Et les options nous verrons un peu plus tard. Alors c'est parti donc. Oh, range-moi ton épée, c'est pas ça que je te demande de faire, voilà. Je me demande si on peut cambrioler, n'empêche les sous. Ah, il y a les gardes qui regardent, bon. Oh, c'est embêtant ça, c'est ça que je veux faire. Voilà, non, on va peut-être se faire choper. Bon, Kongar, tu me fais un petit sprint jusque... Ah, jusque... bonne question. Jusque... Corolle, oui, c'est Corolle, j'ai perdu les noms des villes à force de... Ça fait tellement longtemps que j'ai joué que j'ai perdu le nom des villes à force. Oui, et donc je vous bonne année au fait en passant, excusez-moi de mon impolitesse, j'avais complètement... Intéressant, poursuivez. Tu me fais peur toi. Il y a tellement longtemps que j'ai joué à Oblivion que j'en ai perdu... Veuillez montrer votre respect pour le palais impérial en ne parlant pas trop fort. Donc voilà, bonne année, en espérant que la fête s'est bien passée pour vous. Et je n'arrive pas à sauter, pourquoi? Commande pour sauter, c'est où? Alors sauter, voilà. C'est ça que j'ai besoin pour sauter. Parce que pour moi, espace, ça a toujours été sauter. On va dire, dans 90% des jeux, généralement, la part d'espace, c'est pour sauter. Qu'on se mette d'accord. Ah voilà, c'est d'aller plus vite. On garde le crapaud. Et c'était de l'autre côté, je me suis fait avoir. Tant pis. Ah, ça m'énerve quand ça fait ça. Mais il est con ou... Comment je fais du coup pour ouvrir les trucs maintenant? Ah, donc... Oui, je suis débile, c'est bon, je sais. Pas obligé de me le rappeler. Alors c'est eux pour actionner les trucs maintenant. Vous savez, parce que comme j'ai changé tous les bistouris... Ah, voici le fameux dragon Akatosh, l'un des 9 divins, comme je vous ai parlé dans une précédente vidéo, donc ça remontait un petit moment sûrement. Il est grand, il est majestueux, il représente donc la cité impériale, vu que chaque saint a son... Qu'y a-t-il, citoyen? Et hop, direction Corolle pour continuer la quête principale. Sauf si, bien sûr, entre-temps, on tombe sur un donjon. Alors je sais que d'habitude je suis plus bavard et que je raconte plus de conneries que ça, mais... Faut dire que... Ouais, j'ai eu le bac de... Oula, pardon. Bon, on va attendre. Allez hop, on va attendre 1 heure parce que je me suis blessé et je voulais pas me blesser. Parce que je suis un boulet, tout simplement. Voilà. Cordialement. Allez, passe le pont. Je sais pas combien de fois on passe ce pont, mais on l'a déjà passé il y a un petit moment déjà. Bref, je suis... Vous allez peut-être pas m'entendre raconter beaucoup de conneries aujourd'hui parce que... Je pense que Oblivion doit rester un let's play sérieux. Enfin sérieux, il y a de la déconne, mais je veux dire... C'est avant tout parce que je suis un grand fan de jeux de rôle, mais je voulais pas en faire à la base sur ma chaîne, mais... L'envie m'a pris un jour donc de faire des jeux de rôle et... Et vu que un célèbre youtubeur que je ne nommerai pas a fait un let's play sur le plus qui a suivi Oblivion, à savoir Skyrim, j'ai décidé de me lancer sur la préquelle de Skyrim et la suite de Morrowind. C'est la route par là, ok. Bon. Par contre, je pense que je vais changer les touches parce que ça va vite me saouler que je suis obligé d'appuyer sur ma touche M pour sortir mon arme. Donc voilà, la touche M n'a rien à voir. Préparer objet. Je pense qu'à la place, on va mettre... Voilà, CTRL D.
Et que du coup, bah, M. Je sais pas trop à quoi ça peut servir, mais pour rien en fait. Tant pis, on verra au fil du temps. Parce que sinon, ça va vite me saouler. Mais je crois que M, c'était pour actionner les objets. Je me rappelle plus. On verra bien. Bref. Oh, attention. Voilà, ça c'est toujours pour attaquer. Y'a rien dans le saut. Attends, t'es sérieux? Ouais, le meilleur, le grand saut là qui fait... Ok. Rien dans les écoutes. Alors, vaut mieux que je contourne le donjon si je vais me faire attaquer par je ne sais quelle créature, parce que dans les ruines, il y a toujours des drôles de loustiques. Et là, je vais ranger mon arme. Merci. Trop aimable. Bon bah y'a rien dans les ruines. Mais on n'est pas déjà rentré dans le fort nickel, je crois. Si, il me semble. Genre si on voit des monstres, c'est-à-dire qu'on est déjà rentré dedans. Hein. On va aller voir, on sait jamais. Ah, le bruit. Bah, la porte est ouverte. Quoi que ça puisse être, ouais. Si, je crois qu'en fait on est déjà rentré, même ça fait partie de l'intro. À un moment on est rentré puis on les a tous abattus. Bon, on peut peut-être pas s'éterniser, on y reviendra plus tard si vous voulez que je le renettoie. Faut aussi aller faire la quête du prince gris là, l'orque de la reine. Bon, direction Corolle pour aller chercher Martin et le prêtre là, Geoffre. Allez, cours, accélère. Bah alors, Congar, je te laisse pendant un mois et demi, puis voilà ce que tu es. Tout mou. Ah, bravo. C'est inadmissible. Allez. Il est beau le mago archer, hein. T'es pas à la hauteur de ta réputation. Bon. Toujours rien. Mais regardez-moi quand même la précision des décors, parce que... Dommage que vous voyez pas mon doigt pointer l'écran, mais vous voyez les collines là-bas. Je vous montre avec mon curseur, du coup. On les voit vachement loin et ça veut dire qu'on peut y aller. C'est ça qui est bien dans ce jeu. C'est l'étendue physique qu'il y a. Que dire d'autre? Je sais pas trop quoi vous dire d'autre, moi, du coup. Bah, à part que vous êtes toujours au top du top. Donc pour en revenir rapidement au nouvel an, j'espère que tout s'est bien passé. Que vous avez bien mangé, vous êtes bien amusé, c'est un garde heureusement. Oh là là, c'est encore loin. Bon. Bon, je pense quand même les amis qu'on va quand même faire un voyage rapide, parce qu'à chaque fois sinon ça va prendre du temps. Ah mais je suis encore en tenue de gladiateur, moi. Faut que je remette mon armure de mago archer. Sinon je suis loin de ma réputation, quoi. Ah là, les deux mages qui m'avaient cassé les pieds la dernière fois là. Du coup c'est quoi ma tenue? Ah oui, c'est là. Alors, j'ai ça. Oh, joli corps. Mais c'est vrai que t'es vachement pâle, mec, hein. Je veux pas dire, mais on dirait un vampire. Bon. J'avais le casque. Dans le casque, je l'avais déjà. La cuirasse. Les gants, la cuirasse. Les jambières. Et puis, c'est tout. Voilà, c'était ça, la tenue du mago archer. Bon, où est-ce qu'ils sont déjà? Ils sont là-bas. Est-ce que j'ai été sauvé, Martin? Ah oui, oui, on l'a fait dans la mission précédente où ça m'avait légèrement cassé les pieds. Du coup, bah oui, il faut que je rentre à l'intérieur du monastère, c'est vrai, pour aller chercher Geoffre et Martin. Allez.
Ouverture des portes. Gauche, droite. Et puis c'est à partir de là qu'il y a plein de portes d'Oblivion qui vont s'ouvrir en fait. Allons au temple du maître des... Suis-moi. Plus vite nous arriverons au temple du... Allez, c'est parti, let's go. Il te suit, Joffre, réponds-moi. En tant que lame... Ah oui, c'est vrai. Nous devons nous dépêcher. Je ne serai pas tranquille tant que Martin ne sera pas en sécurité au temple du maître des nuages. Bon, on y va. D'ailleurs, je sais pas qui c'est le maître des nuages, mais c'était un... Ça a l'air d'être un grand homme. Alors, c'est pas où qu'on va, c'est par là. Je m'en doutais. Il faut que je prenne le cheval donc du prieur Maboral dans mes souvenirs. Donc c'est lui. Voilà. Ok. Par contre, pour vous faire gagner du temps, je sais pas si on peut... Ah, Tito. Je veux savoir qui tu es. Est-ce que c'est pas le forgeron là-dedans ? Non, c'est le copain des prêtres. Là. Est-ce que du coup, on peut faire un voyage rapide justement pour que vous puissiez... Que vous puissiez justement suivre quand même un peu l'histoire, parce que c'est vrai que depuis quelques temps on vous fait faire tout et n'importe quoi. Mais je crois que je viens de faire une connerie. Je sais pas si on peut zapper en fait, parce que le voyage risque d'être long et fastidieux en fait. Ah si, je suis. Oh bah c'est génial. Et du coup, comment je fais pour descendre? Ok, non mais je suis débile, excusez-moi. Faut appuyer sur le même bouton. Allez, ouvre-moi la porte. Vraiment que j'arrête de... Je suis tellement habitué en fait à ouvrir avec espace que... Je changerai ça pour le prochain. Hop, reviens ici. Grand maître, est-ce... Oui, Cyrus. Voici le fils de l'empereur, Martin Septime. Bonjour, monsieur. Seigneur, bienvenue au temple du maître des nuages. Merci. Nous n'avons pas eu l'honneur de recevoir l'empereur depuis bien des années. Ah ? Eh bien, merci. Tout l'honneur est pour moi. Venez, vos lames attendent pour vous saluer. Mais c'est vrai que du jour au lendemain, savoir qu'on est roi, ça doit foutre les boules quand même. Enfin, roi, héritier du trône, pardon. Bonjour, monsieur. Alors, comment vous vous appelez dans l'ordre? Alors, Belisarius, Jenna, Capitaine Stéphane, Caroline et Rolion. Cyrus, c'est pas le... Le gars qui voulait nous foutre en tôle la dernière fois? Enfin, c'est, vous savez, celui qui voulait nous tuer... Ah, il y en a encore un là-bas. Vite, on va aller voir vite fait son prénom. Ah merde, excusez-moi. Je suis en train de vous faire rater tout. Allez, go. Mais ne perdons pas espoir. Voici Martin Septime, fils légitime d'Uriel Septime. Gloire à Martin. Votre Altesse. Voilà, j'ai que ça à faire. Les lames sont à vos ordres. Ici, vous serez en sécurité jusqu'à votre accession au trône. Joffre, vous tous. Bon, allez, je sais que vous attendez de moi que je sois votre empereur. Je ferai de mon mieux. Mais tout ceci est nouveau pour moi. Je n'ai pas l'habitude des discours. Mais je vous suis reconnaissant de m'avoir si bien accueilli parmi vous. J'espère que dans les jours qui viennent, je saurai me montrer digne de la loyauté que vous me montrez. Voilà. Merci. Bravo. Vous pourriez applaudir, quoi, c'est votre empereur quand même. Vous n'êtes pas du genre bavard, hein? Ça n'a pas eu l'air de les déranger, remarquez. Les lames qui me saluent et m'acclament en m'appelant Martin Septime, ne me prenez pas pour un ingrat. Je sais que sans votre aide, je ne serai plus en vie à l'heure qu'il est. Merci. De rien. Mais soudain, tout le monde attend de moi que je sache exactement ce qu'il faut faire et comment je dois me comporter. Ils veulent tous un empereur qui va leur dire quoi faire. Je n'en ai pas la moindre idée. Nous devons reprendre l'amulette. Bien entendu, l'amulette des rois. Alors, je peux la porter au temple de l'Unique et allumer les feux de dragon. Et arrêter l'invasion en provenance d'Oblivion. Oui, vous deviendrez empereur. Il va falloir que je m'y habitue. De toute façon, il faut d'abord récupérer l'amulette. Joffre saura peut-être par où commencer. Eh ben oui. Bon,
Voilà, ça c'est fait. Par contre, le garde il bug un peu, il limite est en train d'admirer son roi. Oh oui, vous êtes beau, empereur Martin. Quelque chose a provoqué l'ouverture de ces portails vers Oblivion. Joffre croit que la mort de l'empereur et l'extinction des feux de dragon sont la clé du mystère. Je me rends compte qu'en fait on dit Oblivion et pas Oblivion. Et je suis en rêve. Je suis un abruti. Tous ceux qui pratiquent la magie d'Edric connaissent la barrière quasiment impénétrable qui sépare notre monde d'Oblivion. Ce que l'empereur vous a dit signifie que l'amulette est la clé de la défense de cette barrière. Ce que j'ai vu à Kvatch, d'après tout ce que je sais au sujet de la magie d'Edric, des portes aussi stables sont impossibles. Eh ouais. Et pourtant, ces portes d'Oblivion existent bel et bien. Les vieilles règles ne s'appliquent plus. Kvatch n'est que le commencement de ce que Merun Dagon a prévu de faire. Si l'amulette est vraiment la clé de la restauration des barrières séparant notre monde d'Oblivion, vous ne devez pas perdre de temps pour la récupérer. Je n'ai pas toujours été prêtre. Dans ma jeunesse, j'ai suivi une voie différente. J'en sais plus que je voudrais sur le pouvoir irrésistible de la magie d'Edric. Cela devrait vous suffire. Ok, bon. Ne vous en faites pas pour moi, mon ami. Je sais que je suis entre de bonnes mains ici. J'espère, parce que sinon ils vont goûter à la folie du magot archer. Je balance des pouvoirs du tonnerre, regardez-moi ça. Je vous présente une personne qui m'avait affronté autrefois. Et que j'ai réduit ensemble. Voilà, tout simplement. Joffre, que faut-il faire donc? Oui, donc j'en profite juste vite fait qu'à partir de là, je me suis renseigné, il va y avoir plein de portes d'Oblivion qui va s'ouvrir, il faudra qu'on les referme tous une par une. Génial. Vous avez fait preuve de vos qualités de loyal serviteur de l'Empire. Et vous vous êtes montré aussi digne que toute autre lame de vous tenir aux côtés de Martin pendant cette crise. En tant que grand maître des lames, je serai honoré de vous accepter dans notre ordre. Nous rejoindrez-vous? Oui, je vais me joindre. Non, pas de question, mais devant en tant que... Les lames ont juré de servir l'empereur, en qualité de représentant mortel du sang de dragon du divin Talos. Choix difficile. Si je deviens lame, je pourrais peut-être pas faire les autres trucs. Puis vu que mon personnage est quand même un impérial, il doit quand même jurer fidélité à l'empereur. Ouais, allez, c'est un honneur pour moi de vous accueillir parmi nous en tant que frère chevalier des lames. Bah, quelqu'un m'a parlé. On va y revoir après. Vous avez raison. Nous devons tenter de retrouver l'amulette avant que l'ennemi nous la prenne. Vous devriez retourner à la cité impériale. Borus a peut-être appris des choses au sujet des assassins. Voilà, c'est Borus. Vous trouverez Borus à la pension de Luther Broad, dans le quartier des jardins elfiques de la cité impériale. Borus, il est gentil, en plus, c'est celui qui nous avait... L'amulette des rois est la clé de tout. Lorsque nous l'aurons, Martin pourra allumer les feux de dragon dans le temple de l'Unique et restaurer les barrières qui séparent l'Oblivion de notre monde. Oui, j'avais oublié, Borus, c'est lui qui s'appelle qui a essayé de nous tuer. Cette forteresse regorge d'armes et d'armures. Prenez ce dont vous avez besoin dans l'armurerie de la caserne. Merci. Cette place forte a été bâtie par la garde de dragons Akaviri de Rayman Cyrodiil, lors de la fondation du Second Empire. Depuis lors, elle a servi de siège, de forteresse et de sanctuaire aux lames. Nous pouvons protéger Martin ici, jusqu'à ce que vous ayez mis la main sur l'amulette des rois. Ok, donc maintenant, direction la cité impériale. Saluez Borus chaleureusement de ma part. Dites-lui de ne pas culpabiliser pour la mort de l'empereur. Il a bien fait de vous envoyer ici. Ah, je vais être content de retrouver... Borus, parce que la dernière fois, il a essayé de me tuer, mais après, il m'a fait confiance. Si vous vous rappelez l'épisode 1. Bon, Kongar, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on rentre quand même à l'intérieur. Allez, c'est parti. On va changer d'armure, on va se mettre une armure de la mort qui tue. Je suis surpris de vous voir ici. Êtes-vous déjà allé voir Borus dans la cité impériale? Non, je monsieur. Ne me pousse pas aux fesses, mon ami. Je fais ce que je peux. Déjà, je vais m'allégir. J'ai combien de dégâts? Non, reviens ici, toi. Reviens.
Je vais m'alléger, oh là là, je vais parler. Attends, bon. Il faut autant de dégâts, il est. Mais c'est moins lourd. Allez. Adjugé. Ah, place insuffisante. Voilà. Bon, franchement, ça m'énerve. Je pense que je vais revenir à la bonne vieille option de. Je sais que je change souvent des commandes, mais là, ça, franchement, c'est. C'est injouable. Utiliser. Non, c'est pas ça. Activer. C'est ça. Sauter, c'est M. Voilà. Cordialement. Voilà, c'est pas compliqué quand même. Ah, bah voilà, c'est autre chose déjà. Oui. Je pense qu'un jour, je vais quand même écrire les récits. Bienvenue. Ok. Tu t'en vas et puis tu me parles. C'est pas gentil. Hein. Bouc. Et bon, on va faire l'inventer. Alors. De quoi on se débarrasse? Du bouclier, ça ne sert à rien. Voilà, cordialement. Combien en défense? 3. Il est plus lourd, je crois, non? Je sais pas, c'est pas. 14! Ah ouais, en même temps, il est plus lourd, non? Bah non, je préfère encore garder mon machin. Là. Oui. Voilà. Bon, botte de fourrure, ça. Je balance. Collier de bronze. Ça j'enfile. Cuirasse de fer. J'en ai pas besoin. Cuirasse de kvatch. En fait la cuirasse là est plus pratique que l'autre. Donc ouais je suis... Non mais je suis con. Voilà, c'est déjà autre chose. Ça, je lance. Voilà. Niveau gants de maille, on va comparer. Alors, petit instant shopping. Gants de lame, tu fais combien, toi, en défense, tes gants? Ouais. Ah, ils sont plus lourds encore. Non, bah laisse tomber, tu gardes ton... Casque de lame, ça par contre, ça m'intéresse. Fais combien ton casque toi? Casque de fer, toi 6. Ouais mais c'est lourd. Bah, en fait je pense que je peux rien prendre. Les bottes, protection sont plus. Tout est plus lourd en fait. Donc 5 que je m'équipe comme un lame. Sauf si. C'est bon, je viens de trouver. Ça, je prends. Oh oui, je prends. Merci. Voilà. Comme ça, je me sens un peu plus protégé. Bon, c'est bon, on a fait un petit shopping, c'est bien. Oh, je peux ouvrir les coffres, c'est cool. Non, ça m'intéresse pas. Ah, ça oui. Non. Non. Ça on a déjà vu. Ça c'est pareil. Ça c'est non. Ok. On a tout. On est prêt. On est pareil. Maintenant direction la cité impériale. Mais je pense que les amis on va cesser là parce que je voulais surtout reprendre un petit peu du Oblivion. Ah. Il y a du fight là-bas. Bon soit. Prends son épée, jeune mage. D'ailleurs, t'as pas usé beaucoup tes pouvoirs aujourd'hui, je trouve, Konga. Non, non, mais... Ouais, je sais, mais non, mais... C'est plus ce que c'était, t'es plus aussi enthousiaste qu'avant, je le sens. Oui, bien sûr. Bon... de plaisanterie donc direction Bruma avant pour faire un peu tour du côté de Bruma. Allez hop un petit saut. Waouh. Ah je me suis même pas pris de dégâts. C'est étonnant qu'on n'ait pas encore vu de porte d'Oblivion qui s'ouvre parce que d'habitude il y en a toujours une ou deux qui s'ouvrent
quand on fait la quête avec avec Martin. Mais là, rien. Je sais parce que j'ai triché un peu. Bon. On rentre dans Bruma. Qui n'a que ça comme protection, c'est un scandale. Mais bon. Je pensais quand même vous montrer un peu plus, mais... En fait, c'était surtout pour vous montrer les... histoire de reprendre un peu Oblivion juste après l'arène, quoi, parce que c'est que ça fait un petit moment. Au moins, on a quand même progressé un petit peu dans l'histoire. On sait qu'il faut aller maintenant à la cité impériale. Bon. Y'a personne dans Bruma, tout le monde est mort ou quoi? Ah merde. Y'a quelqu'un? Ah oui. Salut copain. Bon. Vous savez ce que je vous propose? Qu'on rentre dans la guilde des guerriers. Allez, soyons fous. On va rentrer dans la guilde des guerriers. À qui il faut que je demande? Continuez, je vous écoute. Nous cherchons de nouvelles recrues. Ça vous... Oh ouais. Rumeur. Pour une fois, les nouvelles en provenance de Gvatch sont bonnes. Les derniers des draps ont été chassés. Grâce à qui? Grâce à Gongar. Si vous voulez rejoindre nos rangs, allez voir Vilena Donton à Korol, Azan à Anvil ou Bursgrokash à Shaedin Hall. Je veux vous rejoindre, moi. Si cela vous intéresse, allez voir... Ah bah d'accord. Salut. Au revoir. Ah. Ta tête te bug, je crois. Tu nous fais What is Love? What is Love? Baby, I'm at me. I'm at me. Go on. Nous cherchons de nouvelles recrues. Si vous voulez mon aide. Ah ok, bon. Assez parlé. Ton aide, ta tête ne bug plus? Ah si. Bonjour. Bon bref. Alors je sais pas du tout à combien de temps de vidéo je suis, j'aurais encore oublié de mettre mon chronomètre. Bonjour. Je suis tellement pris à chaque fois que je joue à Oblivion. Je ne demande rien qu'une petite pièce. Oh. Pardon. Je suis toujours tellement pris dans Oblivion qu'à chaque fois bah, j'oublie de mettre un chrono. Je pense que c'est le let's play le plus passionnant que je fais en fait. Même moi je prends beaucoup de plaisir à y jouer en fait. Déjà parce que Kongar est complètement con. Parce que il se met dans des situations catastrophiques. Mais surtout, c'est tout l'univers qu'il y a dans Elder Scrolls, c'est toujours passionnant à jouer en fait. De mon point de vue bien sûr, mais c'est certainement le meilleur jeu. Sincèrement, c'est peut-être le meilleur jeu auquel j'ai joué. Ah, bah mon incompatie a augmenté alors que tu cassais la tête. Super. Bien sûr, il y a Warcraft 3 aussi, mais... Oh yes. Fight. Sortez l'arc. Il va y avoir du fight. Prends ça dans ta tête. Ne me saute pas dessus. Voilà, cordialement. Reviens ici. Méchant loup. Déjà une, je récupère mes flèches, merci. Et ça peut s'en rendre à prix d'or. Merci le loup. Attendez, le sang vient de disparaître. What? Ah, attendez, les cadavres, ça... Ouh. Drôle de regard, quand même. Bon. Tant pis, à plus loup. Bon, à plus loup. I'm sad. I'm triste. Mais sinon, c'est lui qui allait me tuer, donc bon... Enfin, c'est très très simple. Alors, cité impériale, bon, je vous propose qu'on aille à la cité impériale et que pour le prochain épisode, on accompagne donc Boruss pour retrouver l'amulette qui a été volée. Ça, au moins, on aura déjà fait un bon progrès. Bon, par contre, pour aller à la cité, on va couper tout. C'est parti. Go, go, go. Go, go, Power Rangers. C'est quoi ça là-bas? Il y a un truc par terre. Non, c'est un bug graphique. Ok, bon, soit. Mmh.
Non, toujours rien. Ah, la musique change. Coucou. Et voilà. Et je pense que je me suis mis en méga trop facile en fait, c'est ça le problème. Les flèches je prends, merci beaucoup. C'est... Mais si elle est là, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres. Et si on a d'autres, c'est mauvais signe. Bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, faut savoir, tant qu'on est là, que sur Elder Scrolls Online, elle fait un flop. Voilà, tant qu'on y est. Elder Scrolls Online, c'est Oblivion, mais en version multijoueur. Pour ceux qui connaissent que Oblivion et Skyrim en multijoueur, pour ceux qui ne connaissent que Skyrim. Coucou. Non. Viens ici. Ah, cela s'appelle un bug, je crois. Voilà. Je récupère ça, ça. Merci. Cordialement. Ah bah on se rapproche. On y est tout proche. C'est beau quand ça arrive, hein. N'hésite pas. Oh, une pierre unique, ça va être pratique. On va avoir une arme de Daedra comme la dernière fois. C'est ça qui est cool. Alors... Ah ok. Ah il faut attendre la nuit, bah ok bon, on va attendre la nuit alors. Donc il est midi. On va attendre 9h. Bon, attendons donc. En fait, je vais attendre 9h autour d'une pierre. On sait bon ce que tu fais qu'on garde pour t'occuper, mais. T'as du courage hein. Oui. Super. Maintenant, je suis un voleur. Je suis censé être un mago et l'archer le plus puissant de Cyrodiil parce que mes flèches tuent les ennemis en un coup. Mais pourquoi pas. Parce qu'en fait, la description principale de Kongar, c'est le mago archer de Tolar. Il s'est fait virer de... Il a été en prison parce qu'il a volé plein de bouquins, parce que... Il a aucun scrupule, c'est un enfoiré. Donc voilà. Amicalement. Cersène. Qu'y a-t-il dans Cersène? Ah ouais. Reviens ici, non. Ok. Où es-tu? Où es-tu? Ça, je récupère donc. Je ne sais pas où il est. Ah, ok. Il est là, mon grand. Mais. D'habitude, je ne rate jamais mes cibles. Mais. Il y a eu un bug. Allez, viens. En plus, c'est tout près, c'est magnifique. Oh, c'est pas comme ça. Voilà. Non, mais oh. C'est cool. Ici, c'est pas toi qui dois hurler. Hein. Non, mais. Bon, flèche. Alors, les culottes. On va lui laisser. Ah, bah voilà, on a trouvé une base. Il y avait que lui, il avait pas de copain. Oh. Bon, on va se faire un petit repas. On est à côté de la cité, on va se laisser là les amis. On est juste à côté d'un donjon qu'on ira explorer dans le prochain épisode. Alors voyons voir. On va manger donc un petit bout. Est-ce qu'on peut fabriquer quelque chose? Ah non, j'ai pas mon mortier et mon pilon que j'ai oublié dans les égouts comme un gros blaireau. Bon, tant pis. Voilà. Allez. Dormir. On va sauvegarder avant. Et puis après on va se laisser là donc les amis. Retour. Ah. Parce qu'on sait jamais si jamais je me fais vampiriser. Parce que oui, dans Skyrim. Ah, ok. Je me disais bien que ça sentait une couille.
Où es-tu? Ah, t'es là. Un loup. Je m'en doutais. Hey, t'es encore plus... Vous êtes... Oh, c'est un chien, en fait, non? Bah, t'es pas gentil comme chien. Hein. Je voudrais pas te garder comme animal de compagnie. Hein. Et en fait, il y a combien de lunes? Eh, mais elle est vachement proche, là. Elle était pas aussi proche tout à l'heure. Il y a plusieurs lunes. Ah non? Eh, on est d'accord, tout à l'heure, elle était là-bas toute petite, et là... Ah, parce que j'étais loin, non? Je sais pas. Je vais me renseigner. Attends, je vais descendre, on sait jamais. Ah non, elle était pas aussi proche. Ça me rappelle un peu dans Zelda. Bon, enfin. Allez, dodo. On va se reposer pour faire la nuit. 6h. Allez, c'est parti. Allez donc, tu fais des longues nuits. Hein. Coucher 11h, réveil 6h. Parti la lune. Ouais. Allez. On est proche de la cité. Ouais, bah c'est juste à côté en fait. Bon les amis, on va cesser là donc. Pour la prochaine vidéo, parce que comme on est un portage sur Skyrim, sur Oblivion, je pense que je vais faire une vidéo toutes les d'Oblivion une fois toutes les 2 semaines. Ça je prends. Comme ça au moins je garde un bon rythme du let's play pour pouvoir me concentrer sur d'autres vidéos aussi. Je pense que c'est un let's play que je voudrais vraiment continuer, donc je pense un épisode toutes les 2 semaines. Ou si vous en voulez plus, je vous dirai quand exactement vous en voudrez. Sur ce, à la prochaine et encore bonne année et merci encore pour tout.